terrienne. Vous regardez l'émission qui vous regarde et ses créatures s'appellent No Jazz. Avec nous ce soir, quatre terriens extra, Nadine Morano, Guy Bedos, Elie Semoun et Dizzy Snapest. Bonsoir, bonsoir Paris, bonsoir à tous les quatre. Bonsoir, merci d'être sur le plateau de Salut les Terriens. Alors on va parler de l'actualité de la semaine, mais d'abord on va parler de votre actualité à vous. Alors Nadine, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes députée de Meurthe-et-Moselle, oui. Déléguée générale de l'UMP, oui. Vous faites partie de la garde rapprochée de Nicolas Sarkozy. Oui. Pour Sarkozy d'ailleurs, vous êtes une femme de terrain. Mm-hmm. Pour Dominique de Villepin, vous êtes la fille des cités. Oui. Et pour la mairesse de Toul, vous êtes de la droite extrême, pour ne pas dire d'extrême droite. Bah, normal, oui. Je vais infliger une très grosse défaite avec plus de 60% sur sa ville. Ouais. Et je l'ai battu à 56,26% des voix. Ah ouais. Je comprends que ça fasse mal et qu'après on essaye de trouver pratiquement une injure, on va dire. Ouais. Mmh. Elle dit peut-être ça à cause de votre action contre le groupe de rap Sniper, parce que là, dans ce coup-là, vous étiez allié aux jeunesses identitaires quand même, non ? J'ai jamais empêché le groupe Sniper de venir chanter à Toul. J'ai simplement demandé, au regard de certaines paroles extrêmement violentes vis-à-vis de la France et vis-à-vis des forces de sécurité, quelles mesures le ministre de l'Intérieur entendait prendre. C'est vrai qu'à l'UMP, on préfère Doc Gynéco que Sniper, quand même. Oui, encore que Sniper chante aussi des chansons maintenant, quelques chansons qui sont pas mal aussi. Hein. On y vient, oui. On y vient. Oui, mais cette femme est perfectible. Oui, on va en faire quelque chose. Non, elle est surtout libre avant d'être perfectible. Alors Nadine, vous êtes ici pour nous dire que Sarkozy est un garçon épatant, qui gagne à être connu, j'imagine, oui. Je pense qu'il a toutes les qualités pour devenir président de la République, effectivement. Vous l'aimez, ça. Vous l'aimez, Sarkozy ? Mais je pense qu'Élie l'aimera aussi bientôt. Ouais. Je l'aime bien, non ? Je l'ai rencontré il y a très très longtemps. Il allait à Disney et il est venu me parler. Il m'a dit « j'aime beaucoup ce que vous faites ». Et moi, je lui ai dit « je ne peux pas en dire autant ». C'est vrai ? Non, mais c'était sans animosité, parce que j'ai plein de copains qui le connaissent et qui disent que c'est quelqu'un de très sympa. Il a l'air très sympa. Mais si mes souvenirs sont bons... Oui. Vous aviez apprécié beaucoup Lionel Jospin. Ah oui. Aujourd'hui, vous devenez un peu royaliste. Oui. Donc demain, peut-être sarkozyste aussi. Ah d'accord, vous croyez que c'est comme ça que ça marche ? Ah, peut-être. D'accord. Je ne désespère pas de vous ramener chez nous. Ah oui, bon, vous pouvez toujours rêver. Mais oui, pourquoi pas ? Guy Bedos, bonsoir. Non, on va pas commencer à débattre. De meeting sarkozyste. Non, on va pas commencer à débattre maintenant. Alors. Non, mais déjà que je suis fâchée parce qu'il est venu en Lorraine et il a oublié de m'inviter alors qu'on s'était vu il y a pas longtemps. Je pense jamais. Voilà, à vous. Il pense jamais à moi. Non, mais c'est tout, c'est ça. Quel sectarisme, en fait. Il faudra qu'on se voit et puis si ça va jusqu'au sexe. Non, mais moi je voudrais vous écouter. Non, c'est alors là, vous pouvez rêver, comme dit Sébou. Bien, alors Guy Bedos, bonsoir. On est très heureux de vous voir. C'est toujours un plaisir de vous voir. Je comprends. Quand je pense qu'il n'y avait pas eu Le Pen au deuxième tour en 2002, on serait toujours fâchés. C'est vrai. Je crois qu'on peut vraiment remercier Le Pen. C'est parti d'une histoire politique, nous deux. Ouais. Alors, vous êtes sur la route, Guy, avec votre spectacle qui s'appelle En Piste, jusqu'en mars 2007, qui connaît un gros succès, il faut bien le dire. Oui, oui. Mérité. Mérité. Bah oui, bien sûr. 2 heures en scène, sans entracte, faut le faire quand même. Mon âge, c'est ça que tu veux dire ? Non, mais j'ai rien dit. Je t'emmerde, hein, tu sais. Non, t'as vu, j'en ai pas parlé, c'est toi qu'on parle. Alors, il y a deux époques dans ce spectacle. Il y a une galerie de portraits, ça c'est un travail d'acteur. Puis après, il y a un côté humoriste, revue de presse. Oui. C'est un travail de satiriste, quoi. Ce qu'on connaît, c'est en fait. Ça, c'est voilà. Très bon spectacle, je l'ai vu. Ah oui, tu l'as vu, c'est bien. Très bien. Le problème, c'est que si on a la carte UMP, on paye plus cher pour les spectacles de Guy Bedos. C'est ça le problème. Alors, vous avez déclaré, Guy Bedos, à part Jamel, que j'adore, et Dieudonné, qui a dérapé, rares sont les comiques qui ne vont pas dans le sens du poil. Ils sont vieux, tous ces jeunes comiques. Vous dites ça pour un mec comme Elie Semoun, par exemple ? C'est pas à lui que je pensais, franchement. Non, franchement. Non, pas du tout. Pensez à Nadine ? Non. Non, elle dérape bien, je trouve, dans le genre comique. Alors, Elie Semoun, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir.
en plein enregistrement d'un nouvel album. Vous avez volé quelques heures. J'ai volé quelques heures. À votre carrière de chanteur, voilà. Oui. Pour être ici. Tu remets ça ? Ah, oui. Oui, remets ça, oui. Attention, Bedos. Non, rien, j'ai rien dit. Alors, vous êtes ici, Ellie, pour la sortie en DVD du spectacle « Ellie Semoun se prend pour qui ?» avec une version DVD et une version BD avec Nel et Rafi. On y reviendra au cours de l'émission. Très bien. This is La Peste, bonsoir. Alors, dans Libération, le 21 novembre dernier, vous déclariez « Mon erreur a été ce passage dans l'émission de Thierry Ardisson, tout le monde en parle, en disant « On peut réussir en venant de banlieue. J'ai donné des arguments aux hommes politiques qui disaient « Voyez, on peut critiquer la banlieue puisque certains réussissent. » Vous avez le sentiment, en disant ça, finalement, de refiler une énorme connerie, quoi. Ce que je voulais dire par là, en fait, c'est que, en gros, la réussite, c'est une exception, ouais, autant que les jeunes qui foutent la merde, quoi. Mmh. C'est une exception aussi. Alors, vous êtes ici ce soir, Dizis, pour les histoires extraordinaires d'un jeune de banlieue qui a déjà été récompensé par une victoire de la musique. Et le single s'appelle « Beau gosse », voilà. On y reviendra aussi. On va faire un petit quiz, les petites phrases de la semaine. Vous allez me dire qui a prononcé ces phrases. Cette semaine, qui a dit la bite des Noirs est responsable de la famine en Afrique ? Quoi ? Est-ce que c'est Jean-Marie Le Pen ? Est-ce que c'est George Bush ? Est-ce que c'est Bernard Kouchner ? Ou est-ce que c'est Pascal Sevran ? Quoi ? Pascal Sevran, non ? Pascal Sevran, bravo. C'est vrai qu'il est pour Sarkozy, donc... Vous le croisez peut-être dans les réunions UMP. C'est vous qui l'a dit ça ? Quoi ? Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une surpopulation, une surnatalité. Oui, il l'a vraiment très mal exprimé, à mon avis. Et en plus, c'est le moins compliqué. Peut-être obsédé. Peut-être que c'était des souvenirs personnels. Oui, peut-être, effectivement. Ce que vous voulez dire, c'est que vous êtes d'accord avec le fond, mais pas avec la forme, en fait. Vous êtes d'accord avec ce qu'il a dit, mais pas avec... Non, je pense en gros, que l'Occident soit... n'a aucune part de responsabilité. Ah, j'ai pas dit que l'Occident avait aucune part de responsabilité, mais je crois aussi... Et derrière, vous dites... Mais je crois aussi que l'Afrique doit se prendre en main. Oui, vous n'en pas tout de suite. Non, mais l'Afrique doit se prendre en main. On continue. D'accord. On reste dans l'histoire de bite, quoi. Elle se prend en main. Alors, cette semaine, qui a dit « Ségolène Royal est anxiogène » ? Est-ce que c'est Nicolas Sarkozy, François Hollande, Jean-Pierre Raffarin ou encore Pascal Sevran ? Je crois que c'était Douste Blasi. C'est pas dans l'émission d'Arlette Chabot, c'est pas... C'est pas Douste Blasi qui a dit ça ? Sarkozy, sûrement. Non, c'est Jean-Pierre Raffarin. Vous savez Jean-Pierre Raffarin ? Oui. Je crois que c'est Douste. Cette semaine, qui a dit « Le métier d'acteur est à mes yeux une profession de branleur », est-ce que c'est Rocco Siffredi, Michael Youn, Guillaume Canet ou Eric Cantona ? C'est peut-être Michael Youn, il avait dit il y a longtemps que c'était une profession de prostituée ou de pute, je ne sais plus. Non, Cantona. Cantona, bravo. Bravo, Ellie Semoun. Cette semaine, qui a dit « Ma mère avait des couilles », je peux vous assurer que si on lui parlait mal, elle savait se défendre. Sean Lennon, le fils de Yoko Ono, Eva Green, la fille de Marlène Jobert, Claude Chirac, fille de Bernadette, ou Ludovic Chancel, fils de Sheila. Le fils de John Lennon, c'est sûr. Non ? Non. Ah bon ? Ma mère avait Sheila, des couilles. Ah, Sheila, oui. C'est un bon titre. Qui essaye tous les trucs. Eva Green, au hasard. Oui, Eva Green, bravo. Bravo, Diziz. T'as marqué un point. Cette semaine, qui a dit « Si j'avais des enfants, je préférerais qu'ils soient homo. » Stevie, Pascal Sevran encore. Mylène Farmer ou Moby. Je sais pas dans quel journal, Stevie. Non, c'est pas Stevie. Moby. C'est Moby. Exactement, bravo. Cette semaine, qui a dit le premier qui votera Ségolène Royal, c'est Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Marine Le Pen ou votre ami Michel Alliot-Marie. Marine Le Pen, non ? Marine Le Pen, bravo. Cette semaine, qui a dit TF1 ne peut pas faire autrement que m'inviter, Nicolas Sarkozy, François Bayrou, Ellie Semoun. Ellie Semoun. Ou la grosse de la Starac, c'est qui alors ? Sarkozy, non ? Non, c'est François Bayrou. Ah ouais. C'est François Bayrou, il est invité. Cette semaine, qui a dit « Sarkozy, quand il parle, il me donne envie de l'écouter. » Ségolène Royal, elle ne me parle pas. Est-ce que c'est François Hollande, Emmanuel Chin, Cécilia Sarkozy ou Arthur ? Arthur. Arthur. Bien. Ah ouais.
cette semaine qui a dit « J'en ai marre des attardés caviardeux de la gauche qui jouent la démocratie en danger ». C'est Bedos, ça. Non, oui. Philippe de non, Villiers. Moi, je suis de la gauche couscous, je t'emmerde. Est-ce que c'est Philippe de Villiers, Jean-Marie Bigard, Doc Gynéco ou Jean-Marie Le Pen? De Villiers, c'est un peu son style. Non, c'est pire Bigard. Que ça. Ouais, Bigard. Bravo, bravo Guy Bedos. Voilà, on passe aux rumeurs de la semaine. Les supporters du PSG ont négocié un retour au calme avec la police. Ils ont demandé à ce que la prochaine fois, les flics abattent plutôt un joueur qu'un supporter. La France serait sur le point de restituer à l'Égypte les cheveux de Ramsès II, ainsi que des poils pubiens de Dalida. Laurent Fabius ne serait pas chauve, il se raserait le crâne pour des raisons de respectabilité politique. Marine Le Pen aurait déclaré que les chambres à coucher étaient un point de détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Elisabeth Tessier verrait un retour de François Mitterrand en 2007. Les frères Bogdanov auraient tenté de se suicider en apprenant que la série Star Trek était une fiction. Renault aurait racheté sa maison de disques grâce à ses bouteilles consignées. Depuis sa visite en Turquie, Benoît XVI se fait appeler Youssef XVI. Élie Semoun, vous avez dit, Élie, la télé, j'y vais avec plaisir, on m'invite parce que je suis rigolo, mais j'aimerais davantage y parler de mon art. De mon art, oui. Alors on vous écoute ce DVD, Élie. Ah, t'es un beau salaud, toi. T'es pas dans la merde, là. Je suis dans la merde. Ce DVD magnifique. Bah, il est magnifique, c'est vrai, il est magnifique. Mais le spectacle, il retranscrit, il y a un spectacle qui a eu du succès, qui a plu aux gens, qui plaît encore aux gens. Et en plus, dans le DVD, on a mis des bonus. Oui. Il y a une heure et demie, même deux heures, je crois, de bonus. On a vraiment soigné les trucs, quoi. Alors, c'est un spectacle qui est co-écrit avec Muriel Robin, ouais. Mis en scène par Roger Louret, ouais. Dans lequel on retrouve vos fameux personnages. Et puis, il y a toujours ce mélange du pathétique, du drôle, du cruel, qui est un petit peu votre marque c'est de fabrique. Marque de fabrique. J'ai un mec qui va se pendre parce qu'il s'est fait larguer par une fille qui a 30 ans de moins que lui. Ouais. J'ai un vieux qui se fait arnaquer par sa famille et qui reçoit des coups de fil sur son sonotone. C'est glauque. Ouais, c'est glauque, c'est bien. C'est glauque, mais c'est la vie, oui, c'est ça qui me fait rire. Le sketch qui fait le plus grincer des dents, c'est l'handicapé. Ah oui. C'est un mec qui est sur une chaise roulante, puis il y a un copain à lui qui vient le voir. Il fait, tiens, c'est marrant, dis donc, ce système-là, c'est quoi, le petit robinet, ça correspond à quoi? L'oxygène. Oh, bah ça va, mon pote. Dis donc, carrément, tu te la coules douce. Alors là, ça le met, là, ça le coupe. OK. C'est que comme ça. Et à la fin, il finit en disant, t'inquiète pas, ça va aller comme sur des roulettes. Donc, c'est sûr que c'est un peu chaud. C'est un très beau cadeau de Noël. On regarde à quoi ça ressemble. Bon, alors, John Peter, tout d'abord, laisse-moi te présenter. Let me present you, je sais pas comment on dit. Marie-Jo, hein, qui, comme tu peux le constater, est aussi grosse que toi. Mais elle, c'est pour des bonnes raisons. En effet, madame est enceinte. Et enceinte de qui? Je te le donne, ami, je te le donne, enceinte. De Bibi, de moi. Voilà. Ça, c'est le premier coup de bambou. Ah bah écoute, tu le sais, hein, j'ai toujours plu aux femmes. Hein, fais pas l'étonner, je te prends pas par derrière. Hein. Ah voilà, John Peter, c'est pour te dire que toi et moi, bah écoute, c'est fini, voilà. L'amitié franco-anglaise, c'est fini, voilà. Y a plus de kiki, y a plus de bichon, y a plus de baby, hein. C'est bon. Big Ben, tu le remets dans ta culotte, c'est bon, j'ai l'heure. Oh putain, oh Marie-Jo, oh si tu savais ce que ça fait du bien de vider son sac à main de temps en temps. Oh mais je me sens libre, je me sens léger, non mais quand je pense que j'ai vécu un an avec une grosse fiotte anglaise. Mais regarde-le, Marie-Jo, mais c'est le cirque pinder ambulant, là. Avec ses ongles manucurés, là, son jean boudiné, là, son petit sac à dos fuchsien, là, puis cette bouche en cul de poule, là, et puis cette moustache que t'as souvenu, John Peter. Excuse-moi, Marie-Jo, je vais être un peu vulgaire, mais enfin, on dirait une chatte. Mais j'aurais pas vu tes couilles, j'aurais pas cru que t'étais un homme. Élie Semoun se prend pour qui? En DVD. Et puis, il y a aussi une version bande dessinée. Ah oui, une version
Du spectacle. Sur les textes, en fait. Ils ont fait des, une BD. Avec Nel et Rafi. Et puis, il y a aussi la version live, puisque vous êtes en tournée dans, Toute la France. Et puis, je serai le 14 décembre au Zénith pour la dernière de ce spectacle. Ah bon, c'est la dernière. C'est la dernière. Élie, il paraît que vous êtes amie avec Michel Alliomari. Oui, c'est un pari ou un musée avec un copain. Non, c'est pas un pari. Non, mais ça m'est arrivé de passer des soirées rigolotes avec elle, son mari Patrick Ollier. Non, c'est vrai. Non, mais elle est marrante, elle est très sympa. Sincèrement. Mam. Oui, mam. Ah non, mais c'est pas un reproche. Enfin, hein. Non, je sais. Enfin, si, un petit peu quand même. Quand même. Elle va se présenter, Michel Alliomari. J'en sais rien, je crois que tu serais mieux placé que moi pour le dire. Non, elle va se présenter ou pas? C'est vous l'ami? C'est moi l'ami? Donc je sais qu'elle. À mon avis, vous êtes plus amie avec Michel Alliomari que Nadine Morano. Elle même pas, parce que moi j'ai fait sa campagne lorsqu'elle était candidate à la présidence du RPR. Oh là là. Et toc. Et donc, non, moi j'ai beaucoup d'affection pour Michel Alliomari et qu'elle veuille participer au débat me semble important. Du moment que c'est Nicolas qui gagne, vous en foutez qu'elle participe au débat. Voilà. Ils font semblant de débattre. Non, t'as vu débat. Ouais. Ah oui, c'est bien. Qui peut dire qu'il n'apparaît pas comme le candidat naturel de l'UMP et qu'il n'est pas en situation. Ah oui, c'est son parti. Bien voilà. Sûr, non, mais à attendez, la fois. Attendez, je vais rebrancher la cassette là. Dans la population. Non, il n'y a pas besoin. Bien. Dans la population et chez les militants. Voilà. Alors, Élie, vous avez des nouvelles de Dieudonné là? Non, je lui ai laissé deux messages et il m'a pas répondu, cet enfoiré. Son dernier sketch vous a fait marrer au bleu blanc rouge? Ouais. Oh, putain. Hein? Bah, écoute, sincèrement, ça m'a fait rire. Ouais. Non, mais franchement, d'abord, j'étais choqué, évidemment. Ouais. Et après, je me suis marré. Je me suis dit que je vois encore en lui mon pote, quoi, avec qui on faisait des sketchs. Et puis, maintenant, ça me paraît tellement pathétique, il faut le dire, que ça me fait rire, quoi. Vraiment, c'est la. Alors, vous aviez déclaré Dieudonné est devenu un Le Pen de gauche. Vous êtes sûr qu'il est toujours de gauche? Non, je crois pas, non. Je crois pas. C'est incroyable. Hein. C'est choquant. Je suis désolé parce que moi je trouve qu'il a beaucoup de talent. Bah on l'a défendu jusqu'au bout. Oui, hein. J'ai essayé jusqu'au moment où il a voulu parler au-dessus de sa tête. Par commencer. Je ne veux pas faire vous, le procès de Dieudonné. Elle t'a allumé. Qu'est-ce qu'elle a dit un peu comme vous. Un peu comme vous, quoi. Je crois pas. Bah si. Bah tant pis. Attendez, laissez-le répondre. Vas-y. N'offense pas qui veut. Hey. Ouais. Quand vous voyez Dieudonné chez Le Pen, ça vous fait quoi? Moi, je suis partagé sur cette question-là parce que il est vrai qu'il a soulevé un problème communautaire, si on peut dire. Et il est difficile pour moi de me désolidariser entièrement, quoi. C'est compliqué parce qu'on n'a pas beaucoup de gens qui ont ouvert leur bouche sur ça. Après, effectivement, il y a les dérives. C'est vrai que Le Pen, je comprends pas pourquoi. Il y a peut-être deux Dieudonné. Je comprends pas. Peut-être. Un je qui sais serait pas. Drôle et un qui serait chez Le Pen. Moi, j'ai eu la meilleure partie, en tout cas. Ouais, toi, t'as eu la meilleure. Ah, c'était très bien. Ça, c'est clair. En tous les cas, il a déclaré beaucoup de gens vont voter Le Pen, pas FN, Le Pen, simplement pour que le système implose. C'est-à-dire qu'en fait, il souhaite que Le Pen gagne parce qu'il dit que c'est la seule façon de faire la révolution en France aujourd'hui. Ce qu'il a quelle dit. Connerie. Eh ben, t'imagines 5 ans de Le Pen, non, mais ce serait une folie. Quoi. Ce sera pas possible. Je me permets pas de rentrer au milieu de votre relation, mais est-ce que c'est pas hypocrite? Je ne sais pas. Moi, je l'appelle pas et tout ça. Enfin, je veux dire, parce que quand vous voyez, vous soulevez pas les problèmes, vous en parlez pas. Si, bien sûr, mais bien sûr, on en parle, évidemment. Moi, vous en parlez et que là, après, quand il va vous voir à la télé, dire ça, enfin comment... Quand j'en parle, il y a... Non, mais tout ce que je dis là, je lui ai dit, évidemment. D'accord. Non, mais on est très... On parle comme deux copains. Ouais, je suis désolé de vous poser cette question-là, mais vous pensez qu'il est antisémite, par exemple? Moi, je pense qu'il est antisémite, oui. D'accord. Moi, juste, pour finir, ce que je ne comprends pas, c'est que vous pensez qu'il est antisémite, mais vous continuez à lui parler. Je ne comprends pas, en fait. Moi, si quelqu'un, je sais qu'il est, si je le pense qu'il est raciste, je lui parle plus, je parle plus à cette personne-là. Parce que je connais pas beaucoup d'antisémites. Il se trouve que c'est Dieudonné et j'ai envie de savoir ce qu'il a au fond, quoi. J'ai envie de savoir ce que lui il vous dira qu'il l'est pas, mais tout ce qu'il dit, c'est un discours d'antisémite. Je suis désolé, moi. Parfois, je me balade sur Internet, je vais voir sur son site, c'est atroce tout ce que j'entends. Excuse-moi, la dernière fois qu'il a fait ton émission, il a quand même. Insinuer que le sida avait été introduit par les juifs en Afrique. Bien entendu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une folie. Bien. Bon, bref. Bref, on passe au deuxième sujet d'actualité de la semaine. Cette semaine, on reparle de l'Irak avec la remise à George Bush du rapport Baker qui préconise un retrait des Américains d'Irak. Finalement, Chirac a eu raison de ne pas soutenir la guerre en Irak et de prendre le risque de se mettre à dos Arnaud Klarsfeld et Romain Goupil.
On regarde à quoi ça ressemble, on en parle après. Quand on est l'homme le plus fort du monde, c'est toujours plus simple de cogner au lieu de discuter. Alors, Georges a cogné. Quelques copains ont bien tenté de le retenir, mais Georges n'est pas du genre à écouter l'avis des poules mouillées. En mai 2003, ça y est, Georges fanfaronne, il a envahi l'Irak, il a terrassé l'ennemi. The United States and our allies have prevailed. 3 ans plus tard, Georges est toujours en Irak, sauf que cette fois, il y est jusqu'au cou. Pour s'en sortir, il aurait plus besoin de sa cervelle que de ses muscles. Aux États-Unis, tout le monde commence à s'en rendre compte. Et une commission de 10 sages, moitié républicains, moitié démocrates, s'est réunie pour réfléchir à la place du président. Ils lui ont tout expliqué dans un rapport qui sera vendu en édition de poche. Les Américains vont pouvoir lire que la situation en Irak glisse vers le chaos, que les Irakiens souffrent autant de la violence actuelle que de la tyrannie de l'époque Saddam Hussein. En gros, le rapport envisage un retrait des troupes de combat dans un an, et pour le préparer, il voudrait que les GI s'occupent de former des soldats irakiens à assurer tout seul le maintien de l'ordre. Mais le passage du livre que Georges risque d'aimer le moins, c'est bien sûr celui où on lui demande de discuter au lieu de cogner. Parce que pour bien faire, il faudrait que Georges discute avec l'Iran et avec la Syrie, deux voisins de l'Irak qu'il voulait encore envahir il y a un an ou deux. Bref, ce qu'on demande à Georges, c'est de faire tout le contraire de ce qu'il a fait jusque-là. Mais après tout, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Alors pourquoi s'inquiéter ? Voilà, alors comment perdre la guerre sans perdre la face ? C'est le problème des Américains aujourd'hui en Irak. Alors comme on applaudit pour des choses futiles, on pourrait applaudir Chirac, parce que c'est vrai que franchement, applaudir Chirac pour ça. En tant que président de la République... Alors à ce moment-là, il faut citer Sarkozy, parce qu'il est quand même allé chez Bush, il est monté sur la table pour avoir la même taille, alors que Monica Lewinsky passait sous la table. Vous croyez toujours au théâtre. Je l'aurais fait, moi je suis pas comme Chirac, je l'aurais fait les guerres d'Irak. La preuve c'est qu'en plus vous parlez, bon c'est très bien, vous avez un métier de grandiloquence, où on s'exprime, on fait du théâtre, on se fait applaudir en disant n'importe quoi. C'est mon métier, mais c'est très bien, mais en même temps, ce que dit... Je vous en prie. Ce que dit Nicolas Sarkozy, si vous l'aviez écouté, il a toujours pris position contre la guerre en Irak. Donc je ne vois pas pourquoi d'un coup vous dites il faut siffler. Il est allé chez Bush décorer des pompiers. En plus, il a fait une connerie parce que c'était au moment où il allait perdre. Au moment de ce terrible anniversaire du 11 septembre. Donc je suis désolée, il a fait un déplacement en tant que ministre d'État et c'est tout à fait respectable. Alors aller caricaturer Sarkozy qui a dit qu'il fallait se respecter aussi, donc c'est un peu déplacé, là, je trouve. Non mais là on parle pas de Sarkozy. Et donc je dirais que Chirac a eu raison. On parle de l'Irak. Et c'est très bien. On parle de l'Irak. Alors comment perdre la guerre sans perdre la face, c'est le problème des Américains aujourd'hui. Mais Bush vient de perdre les élections intermédiaires, comme on dit, et c'est les démocrates qui sont passés, il a été perdu deux fois, et bon, mais il faut se le fader quand même jusqu'à 2008, moi je trouve que les Américains ont perdu la main, parce que Kennedy, ils l'ont abattu, tu vois, et je sais pas ce qu'ils attendent. Oh là, il est grave quand même. C'est du l'humour, je sais que l'humour est une langue étrangère. Abattre Kennedy, ça me fait pas marrer, moi, mais bon... Ceci étant Kennedy, ils en ont abattu deux en plus. Non, mais ce qui est certain, c'est que c'est trop tard, parce que le nettoyage ethnique a commencé, la partition de l'Irak est en marche. Ils sont en situation très très difficile. Enfin, ce qui plane derrière, moi j'ai toujours peur des phrases démagogiques, mais le fait qu'ils soient allés là-bas, qu'on dise que ce soit pour le pétrole et tout ça, après qu'ils perdent la face, est-ce qu'effectivement ils ont eu leur pétrole ou pas ? Mais ils l'ont pas, non. Ah, ils l'ont pas du tout, c'est sûr et certain. Il y a un tiers du pétrole irakien aujourd'hui qui est pompé par des gens qui le vendent en fraude, quoi. L'industrie qui marche le mieux en Irak en ce moment, c'est les bateaux. Parce que ça sert à exporter le pétrole, on ne sait même pas où. Quoi. C'est-à-dire que les Américains, ils ne s'y retrouvent pas. Ouais. Cela dit, on pourrait quand même dire qu'on ne peut pas donner raison d'une façon compacte aux uns, aux autres, tout le temps. Et effectivement, par exemple, Ahmadinejad, le maître de l'Iran, ce n'est pas mon arabe préféré, tu vois. Ouais. Surtout qu'il n'est pas arabe. Il... C'est pas le nôtre non plus. Il est musulman, mais il n'est pas arabe. Oui, enfin bref, c'est des crouilles, tout ça. Ouais. Alors vous êtes ce choc, elle est là. Moi j'aime le respect. Après vous faites comme vous voulez. J'aime le respect. Ne vous chamaillez pas. J'aime le respect des élus de la République parce qu'ils ont le courage d'aller affronter les problèmes qui sont souvent difficiles aussi à réformer. Hein. Il faut le faire aussi. Et donc les phrases faciles,
Bon, quand est-ce que vous venez chez moi voir la difficulté des dossiers? Ça fait 40 ans que je vis avec des phrases faciles. Ne vous chamaillez pas, enfin, Ellie fait quelque chose. Ah non, moi ça m'amuse. Alors, Chirac avait raison, et pas qu'au sujet de l'Irak, finalement. Voici les 5 sujets sur lesquels Chirac avait raison. Alors, d'abord, la guerre en Irak. La corona. C'est mieux frais. Il y a bien une fracture sociale en France. D'ailleurs, elle y est toujours. Il avait raison. Il faut se méfier de Sarkozy. Il avait raison. Et il faut faire quelque chose contre le chômage. Absolument. Merci, No Jazz. Alors, on va parler maintenant de la prolifération des petits candidats à la présidentielle. Alors, quand on parle de petits candidats, rassurez-vous, on ne parle pas de Sarkozy, hein, c'est les petits candidats. Alors, il y en a déjà 38 des petits candidats. 38 ? Ouais. C'est-à-dire qu'un mec comme Bayrou, il a une chance sur 38 d'être président. C'est pas mal pour lui, déjà. Je trouve ça bien. On regarde, on en parle après. Du 21 avril 2002, il reste une image, vue et revue, qui est dans toutes les mémoires. Jospin ne sera pas au second tour. On a beau refaire les calculs, on tombe toujours sur le même résultat. Il manquait 194 601 voix à Jospin pour affronter Chirac, même pas 1% des votes. Oui, mais voilà, au premier tour, l'électorat de gauche s'était éparpillé. La candidature dissidente de Chevènement, à elle seule, avait rassemblé 1,5 million de votes. Et pour résumer la frustration, si les voix de Christiane Taubira s'étaient portées sur Jospin, il aurait été au second tour. Ah, si. Ces calculs, il semblerait que tous les électeurs les aient en tête. Aujourd'hui, dans les sondages, c'est le triomphe du vote utile. Sarkozy oscille entre 29 et 38% selon les sondages, tandis que Royal obtient entre 26 et 34% des intentions de vote. Du coup, c'est la panique chez les petits candidats. Dominique Voynet reste scotché à 2%, Chevènement, qui voudrait se représenter, apparaît à peine dans les intentions de vote. L'extrême gauche, quant à elle, voudrait se rassembler pour pouvoir peser sur le scrutin, mais elle est toujours aussi éparpillée. À droite aussi, on a retenu la leçon et Christine Boutin a carrément préféré se rallier à Sarkozy. Alors vous me direz, reste l'hypothèse du troisième homme, mais Bayrou stagne autour de 10%, et Le Pen, avec c'est vrai un sondage record à 17%, reste 10 points derrière Ségolène Royal. Non, cette fois-ci c'est sûr, le PS et l'UMP se retrouveront au second tour. Juste une question, on n'avait pas dit la même chose en 2002? Voilà. Si Le Pen n'avait pas ses signatures, est-ce que vous seriez choqué, déçu ou soulagé? Inquiet. Soulagé. Soulagé. Bah. Moi pas. Oui. Ah bon ? Moi pas, parce que je pense qu'il vaut mieux qu'il puisse se présenter plutôt que... Parce que je l'ai vu lâcher Moati un soir, et il laissait entendre que s'il pouvait pas se présenter, ça provoquerait une colère chez ses partisans qui s'exprimeraient Dieu sait comment. Ouais. Et je trouve que... Parfois... Donc toi, tu préférerais qu'il ait ses 500 signatures? Non, mais attends, j'en rêve pas la nuit non plus. Ouais, bien sûr, mais bon. Mais je pense qu'entre deux mots... Et toi? Moi, je suis assez d'accord avec ce que dit Guy Bedos. Effectivement, le fait de faire qu'il soit pas... qu'il ne puisse pas se présenter, ça va encore plus mettre les gens dans leur extrême. Et effectivement, ça va leur donner une légitimité, si on peut dire, à dire, bon, on peut tout casser, regardez, toutes les portes sont fermées. C'est un peu ça que... C'est exactement. Voilà. Et vous, si Le Pen n'avait pas ses signatures, est-ce que vous seriez choqué, déçu ou soulagé? Moi, je pense que s'il a ses signatures, ça permet d'engager aussi le débat et de démontrer que ce qu'il dit en matière à la fois de contrôle d'immigration et par rapport aux lois que nous avons faites, eh bien, nous avons commencé à répondre aux problèmes. En même temps, s'il ne se présente pas, Sarkozy est élu tout de suite. Ouais. C'est pour ça qu'il ne se présentera pas. C'est pour ça qu'il n'aura pas ses 500 signatures. Au premier tour, quoi. Nadine, si au deuxième tour, on retrouve Le Pen et Ségolène, est-ce que vous voteriez pour Ségolène? Bah, de toute façon, je pense qu'il n'y aurait pas le choix. Mais en même temps... Non, pas en même temps. Vous votez... Nous, on a... Non, mais nous, on est allé voter pour Chirac. Non, mais je vous réponds. Je dis, il n'y aurait pas le choix. Donc, ma réponse... La droite, la vôtre, elle a été élue par la gauche. Oui, mais vous ça, c'est... Oui, non, mais attends, ça, c'est un peu pipeau aussi, parce que, bon, franchement, je pense que Jean-Marie Le Pen, de toute façon, n'aurait pas été élu. Mais d'avoir élu Chirac à plus de 80%... Mais c'était un score, il est passé de 19 à 80%. Non, mais c'était un score de roi nègre, vraiment. Oui, mais c'est ma façon de parler.
Je pense que quelque part, ça a complètement stérilisé le débat, et d'ailleurs sur les réformes qui auraient nécessité d'avoir une plus grande adhésion populaire. Ouais. Donc je trouve que c'est pas sain. Bien. Bah oui, et il ne faut pas revivre ça. Donc moi, je me réjouis qu'il y ait moins de petits candidats et qu'on porte vraiment le débat avec les partis républicains et des candidats qui ont un poids aussi dans l'électorat. Alors, on va voir pour qui, même si ce n'est pas votre premier choix, vous pourriez voter. On va faire un quiz, pourquoi pas, ou même pas en rêve, d'accord? Alors, José Bové. Même pas en rêve. Même pas en rêve. Non. Les autres, j'imagine que vous en foutez de voter pour... S'il n'y avait pas, il y avait que ça. Non, mais si ça n'avait pas des conséquences sur le résultat, moi j'aime bien José Bové, c'est bien. Arlette Laguiller. Même pas en rêve non plus. Même pas en rêve. Olivier Besancenot. Encore moins. Vous, j'imagine que ça... Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Chevènement. Ah non, même pas en rêve. Je savais qu'on pouvait faire voter les morts, mais je ne savais pas qu'on pouvait les présenter aux élections. Même mort et vous Dans le chevènement, oui. Non. Même pas en rêve. Même pas en rêve. Oui, c'est énorme pour lui. Marie-Georges Buffet. Charmante. Charmante. Bon. Oui. Et vous, non, même pas en rêve, j'imagine. Non plus. Non. C'est pas la société dont je rêve. Compris, donc, Nicolas Hulot. Mais les gens l'aiment bien parce qu'il fait pas de politique. Ouais. Mais voilà, quand il va en faire, ça va être autre chose. Quand il va nous demander d'éteindre la lumière, il va devenir chiant. Voilà, Dieudonné. Pourquoi pas ou même pas en rêve. Ah, même pas en rêve. Même pas en rêve. Non, moi aussi, même pas en rêve. Même pas en rêve. Michel Alliot-Marie. ça, c'est envisagé. Ça, c'est une question pour vous. Parce qu'ils sont en panne de primaire. Donc, ils vont faire des fausses primaires. Ils font des forums, oui. Pour essayer de rattraper le retard. Michel Alliot-Marie, pourquoi pas ou même pas en rêve. Ah, bah pourquoi pas. Si c'était pourquoi pas, évidemment. Ok, d'accord, c'est bien. Nicolas Dupont-Aignan. Tu vois qui c'est, lui ? C'est qui, ça ? C'est un mec incroyable. C'est un mec. D'accord ? Non, je vois pas qui c'est. C'est un nouveau comique. C'est qui, je vois pas. Même pas en rêve. Ah, j'ai de l'affection pour lui. Alors, je peux pas dire même pas en rêve. Il est sympa, c'est vrai, en plus. Faut qu'il devienne un peu plus moderne. Ouais, ouais. Il est jeune, mais ringard. Faut qu'il soit connu, quoi. C'est même pas qui c'est. Philippe Devilliers. Ah non. Pareil. Même pas en rêve. Ah non. Jean-Marie Le Pen. Non. Vous aussi, même pas en rêve. Ah non, même pas en rêve. Ah, même pas, c'est un cauchemar. Marine, pareil. Pareil, d'accord, maintenant c'est clair. C'est le Québec tout de suite. Hein. Dominique de Villepin. Pourquoi pas ou même pas en rêve. Elle a pouffé parce que. Je peux partir. Elle est mal. Non. Je dirais que, bien sûr, pourquoi pas, évidemment. Ouais, pourquoi pas. Oui, je dirais pourquoi pas, mais franchement. Mais pourquoi pas. Alors Nadine, vous évidemment, c'est Sarko. Hein. Ouais. Ah ce Sarko, qu'est-ce qu'il est bien ce Sarko. Non, mais attendez, je suis pas fan de Sarko. Il est pas trop petit pour être président de la République, Sarkozy. Je pense pas que ce soit la taille qui soit importante, hein, d'ailleurs. Ouais. C'est la grandeur d'âme et la qualité qui est importante. On va voir les 5 raisons qui font dire que Nicolas Sarkozy est trop petit pour être président de la République. Alors... D'abord, il est assis sur une chaise d'arbitre de tennis au Conseil des ministres. Il a personnellement demandé au PDG de France Télécom de continuer la fabrication des annuaires téléphoniques. Il a roulé un patin en nombril de Cécilia la semaine dernière. George Bush lui a demandé où était sa maman et s'il était perdu lors du dernier G8. Et il se met sur la pointe des pieds, vous savez ça, pour toutes les photos officielles. La parole est à Stéphane Guillon. Politique, François Bayrou lance son slogan de campagne « Un autre chemin ». Après la rupture tranquille de Sarkozy, jouez à notre concours le slogan le plus con. Un détour en ligne droite, un raccourci plus long. Le gagnant passe une journée ex-TV. Pour se détendre le week-end dernier, Sarkozy était à Euro Disney, une aubaine pour les enfants, à voir un des nains de Blanche-Neige en chair et en os.
François Bayrou aussi voulait y aller, mais comme il a pris un autre chemin, il s'est retrouvé de l'autre côté, au péage de Saint-Arnoult. Au gymnase Japy à Paris, Ségolène Royal s'adressait aux femmes voilées, mutilées, excisées, violées, écrasées. Alors, on peut concourir dans plusieurs catégories. Madame Carlier, par exemple, était voilée le jour de son mariage, puis écrasée lors de sa nuit de noces avec Guy. C'est dégueulasse. Oui, c'est drôle. Politique internationale. Avec la mort prochaine d'Augusto Pinochet, c'est tout un savoir-faire qui va disparaître. Tyran sanguinaire, un métier qui n'intéresse plus nos jeunes. Jadis, on se transmettait la charge. Grand-père était un enculé, père était un enculé, je suis un enculé. Barbie, Pol Pot, Milosevic, bientôt Saddam Hussein, plus aucun client pour Maître Vergès. Une idée de reconversion ? Avocat à la reine de France. Un poste très con, mais moins exposé. Russie, pour relancer la natalité, un concours de beauté de femmes enceintes. Également le concours du plus beau chauve, pour relancer les ventes de polonium. Bon plan, samedi dernier, je vous parlais de chirurgie esthétique discount, 30% moins cher à l'étranger. Eh bien, encore mieux, cette semaine, au Maroc, on pouvait s'offrir une chirurgie faciale complète pour le prix d'un billet d'autocar. Attendez, c'est pire après. Ce que j'aime bien avec lui, c'est que les gens font « Oh !» Technologie, le gouvernement veut généraliser la télévision sur téléphone mobile. Génial, pouvoir regarder la télé dans la rue. Tu sors d'un peep show, tu mets la méthode Coé, tu restes dans la même ambiance. People, Chimène Badi rêve d'Amérique. Est-ce que l'Amérique rêve de Chimène Badi? Georges Clooney a perdu son cochon. L'animal aveugle souffrait d'arthrite. Alors nous aussi, on en a un ici, il a perdu sa prostate, il est borgne. Mais malheureusement, il tient le coup. Pascal Sevran a déclaré au journal Nice ce matin qu'il fallait stériliser la moitié de la planète. Dommage que sa maman n'ait pas eu cette idée en 44. On termine par le sport. Déclaration de Jean-François Lamour. Aux Jeux paralympiques, les primes des athlètes handicapés seront équivalentes à celles des athlètes valides. C'est normal. Le spectacle est top. Le basket pour nains, avec un système de trampoline pour accéder au panier. Si l'athlète rentre avec le ballon, le point compte double. Le water polo pour paraplégique, toutes les minutes, les fauteuils sont hissés à la surface. En cas de faute, on replonge l'athlète. Le tir à l'arc pour non-voyants, exceptionnellement, l'accès aux tribunes est gratuit. À la semaine prochaine, merci. Merci, Stéphane Guillon. Stéphane Guillon, alors This is la peste, bonsoir. Alors, This is la peste, vous n'avez pas peur que ce soit le genre de nom à la con qu'on finit par regretter quand on vieillit? Parce que quand on a 50 ans, This is la peste, comment on fait? Non, moi c'est vrai que j'aurais préféré garder mon prénom, c'est Ringby, mais au début, quand on commence le rap, il faut un pseudonyme, tout ça et tout. La peste, c'est pas moi, c'est les gens avec qui je travaille qui m'ont appelé comme ouais. Ça, parce que j'aime bien les sarcasmes un petit peu comme Guy. Alors, Doc Gineco qui vote Sarko, Joe Star qui chante Brassens, Passy qui chante avec Calogero, Booba à la Starac. Qu'est-ce qui se passe dans le rap français, là? Moi, j'ai fait un morceau avec Yannick Noah. Ouais, ça va encore. Mmh. Mmh. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, on est des gens comme les autres, on aime la musique. Bon, là, je parle pas de Doc Gineco, hein. je parle de tout ce qu'on a dit. Donc voilà, pourquoi on est les premiers à prôner le fait qu'on est trop dans notre ghetto, donc autant ouvrir un petit peu les choses. Doc Gineco à l'UMP, ça fait réfléchir sur les effets secondaires du cannabis quand même. On se demande. On dit toujours que ça n'a pas d'effet. Hein. Je ne sais pas, peut-être qu'il est en quête de popularité ou peut-être que c'est une provocation de plus, je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas. Aujourd'hui, il est avec Christine Angot aujourd'hui, je crois. Ouais. Peut-être qu'il va être dans son prochain livre, je ne sais pas. Alors, toujours en vente, les histoires extraordinaires d'un jeune de banlieue, ce sont des petites fictions sonores, comme le célèbre Je pète les plombs qui était inspiré de Chute libre. Vous faites un peu votre cinéma dans vos chansons? J'aime pas les textes trop pompeux, si on peut dire. J'aime bien utiliser le second degré ou l'humour ou je sais pas, l'univers de la fiction pour dire quelque chose. Un nouveau single s'appelle Beau Gosse. Ultra Beau Gosse. Ultra Beau Gosse. Ouais. Vous nous le ferez après?
Ouais, ou je vous le fais maintenant, un petit couplet a cappella, si vous voulez. Ah ouais. Vous jouez un truc ou... 90 BPM. Plus rapide. Je pompe, je bouge, j'ai des muscles, partout maintenant je me muscle. Le pouce, j'ai le paquet, c'est vert. Orange et Bouygues, je téléphone gratuit. Attends, je suis pas stupide. Je fais tout ça pour des pétages, je suis beau dans ma glace. Tout mon speak il passe, c'est pas grave, je suis un beau gosse. Tout le monde, beau gosse, beau gosse, beau gosse. Tout le monde, beau gosse, beau gosse, beau gosse, beau gosse. Tout le monde, beau gosse, beau gosse, beau gosse, beau gosse. Tout le monde. Merci. Merci, bravo. Un pro de jazz, bravo, bravo. Alors cette semaine, l'actualité en France, c'est aussi la polémique sur l'ouverture des magasins le dimanche. Polémique qui rebondit, car cette année, les 24 et 31 décembre tombent des dimanches, et le Père Noël que nous sommes veulent pouvoir bosser le dimanche. On regarde et on en parle après. A priori, quand la CGT et le pape sont d'accord sur un truc, on n'est pas loin de l'entente universelle. Or, sur la question du dimanche, les grands textes sacrés disent un peu pareil de chaque côté. Dans la Bible, dès la fin du premier chapitre où il a créé le monde en six jours, Dieu décide qu'il faudra se reposer le septième. Dans le Code du travail, après avoir travaillé six jours d'affilée, le salarié a droit lui aussi à un jour de repos. Sauf que cette année, les réveillons du 24 et 31 décembre tombent un dimanche. Alors comment célébrer le culte de la marchandise si toutes les chapelles et les cathédrales de la consommation sont fermées? Pour le dimanche du 31 et 24 décembre, les associations de commerçants ont déjà réclamé des dérogations au niveau local. Résultat, à Quimper, Rennes et Toulouse, ce sera ouvert. À Angers et à Nantes, ce sera fermé. Le 24 décembre représente jusqu'à 4% du chiffre d'affaires annuel d'un petit commerce. En plus des dérogations spéciales, il y a les dérogations permanentes qui concernent en gros 200 métiers, soit 20% de salariés qui travaillent régulièrement le dimanche. On est payé double. J'ai quand même mes deux jours de repos dans la semaine. Sans compter les centres commerciaux qui pendant 20 ans ont ouvert le dimanche, avant qu'en juillet dernier, la justice ne leur rappelle la loi. Ah, la liberté, c'est difficile d'être contre. On peut pas toujours critiquer Sarkozy. Moi, je respecte le temps de repos pour les gens. Mais s'il y en a qui sont d'accord pour travailler le dimanche sur la base du volontariat pour être payé double, pourquoi ils ne le feraient pas? Et sur ce sujet, force est de reconnaître qu'il a donné l'exemple. Souvenez-vous, dans Match, il nous a montré qu'il travaillait avec sa femme et qu'il emmenait son fils au bureau. Comme quoi, c'est pas si compliqué de concilier la vie de famille et le travail. Voilà, alors faut-il travailler le dimanche? Sarkozy est d'accord. Certains pays le font d'une façon différente hein, dans le monde. Soit ce sont des dimanches dans l'année. En Espagne, c'est 18 dimanches. En Italie, c'est 8. D'autres, comme aux États-Unis, ouvrent 24-24 le dimanche. Pourquoi pas le faire sur la base du volontariat? Ceux qui ont envie de bosser, qui ont un vrai accord avec le patron, pourquoi pas? Donc nous, dans notre projet, c'est de dire bah, Homer a décidé s'il veut ouvrir le dimanche. Il y a un exemple qui est intéressant d'ailleurs en Angleterre, c'est que le dimanche, ce sont les petits commerces qui sont ouverts et pas les grandes surfaces. Ce qui tend à redynamiser d'ailleurs les centres-villes. Et ça, je trouve que c'est une démarche intéressante. Guy Bedos, l'ouverture des magasins le dimanche, oui, non? Égoïstement, en tant que citoyen, consommateur, oui, si j'ai envie d'acheter des trucs le dimanche, mieux que ça soit ouvert, ça c'est sûr. Maintenant, il faut organiser la vie de l'entreprise et il ne faut pas... claquer les gens à bosser, il faut renouveler les équipes. Il faut que les gens travaillent le dimanche, n'aient pas bossé toute la semaine, oui, c'est sûr. Il faut bien se reposer. Depuis Raymond Blum, comme vous dites, ça se fait. Parce qu'elle a dit Raymond Blum. Quand ? Il semblerait que j'aurais fait un lapsus sur France Inter. Vous savez, nul n'est parfait. Et moi non plus. En tous les cas, ça veut dire qu'il écoute toutes vos prestations. Oui, je suis flattée. Il l'a répété. Il est peut-être un canard enchaîné, il ne m'a pas entendu en fait. Raymond Blum et Jean-Jacques Jaurès. Ah non, je n'ai pas dit Jean-Jacques Jaurès, non. Alors, non, Marcel Semoun, est-ce que vous êtes d'accord pour l'ouverture des magasins le dimanche, Marcel? Écoute-moi, Fernand. Oui. Oui, moi, je suis d'accord. T'es moi, d'accord. J'aime bien. Bah, le dimanche, c'est le seul jour qu'on a de repos, puisque nous, on travaille toute la semaine. Bah, Oui, moi, je suis d'accord. Ouais. This is bah, oui, moi aussi. C'est cool, hein, quand je veux m'acheter un petit DVD, tout ça. C'est bien, c'est cool. Mais la Bible dit qu'on n'a pas le droit de travailler. Oui, mais on a dit que c'est laïque, on sépare l'État et tout ça. C'est vrai. Tout. On l'avait dit ou pas? On l'avait dit il y a longtemps, oui. Même c'est moins en moins laïque, mais bon. Dit ou pas? Alors, de toute façon, Internet, c'est ouvert tous les jours, même le dimanche, donc voilà. Alors, est-ce que vous soyez d'accord pour que les gens travaillent la nuit? Les magasins sont ouverts la nuit? Bah, je pense, par exemple, à des magasins culturels, style Virgin. Il faudrait que ça soit, effectivement, ça s'organise, quoi. C'est sur la base d'un accord d'entreprise. D'accord. On peut pas...
Voilà, bon, on va terminer avec le reste de l'actu. Ça s'appelle « Ça m'intéresse » ou « Je m'en bats les couilles ». D'accord, Nadine ? Bien. Je m'en bats les couilles. J'aurais du mal, les couilles, Nadine. C'est bien vulgaire. Ah, oui, bon, oui, j'aurais du mal. Mais que c'est vulgaire, tout ça. Alors. Faut dire « Je m'en bats les couilles ». Bon, alors, Alain Carr, l'auteur de « Ma méthode simple pour en finir avec la cigarette », est mort cette semaine d'un cancer du poumon. Ça vous intéresse ou vous j'en battez les couilles ? C'est triste. C'est triste, pourquoi ? Parce qu'il aurait dû fumer. Bah oui. Il a fumé, c'est pour ça qu'il est mort. Ségolène Royal, accusée de ne pas avoir réagi au terme de nazisme employé à l'égard d'Israël. Ça vous intéresse ou vous en battez les couilles ? Évidemment, non. Ça m'intéresse, puisque ce déplacement d'autopromotion, il faut bien le dire, méritait d'être observé de près. Ça. Mais ce qui est étonnant avec Ségolène Royal, c'est que partout où elle va, d'abord, elle dit qu'elle est là pour écouter. Le problème, c'est qu'elle n'entend pas, donc elle n'entend même pas les traductions. Donc, je trouve que au niveau et quand on se déplace au niveau international, il faut faire très attention, surtout dans ce secteur très difficile du monde. On n'y va pas. Donc vous en battez pas les couilles de ça. Ah non, sauf que non, votre ami, il était allé en Israël et puis on lui a demandé quand il est rentré, mais vous irez en Palestine ? Oui, je vais y aller. Il n'a jamais été en Palestine, jamais. Mais c'est vrai que c'est vous qui gérez son agenda, donc vous savez ce qu'il va faire dans les jours à venir. Un peu tard, peut-être. Ah, les deux. C'est Bibo et Mario font de la télévision, Bedo, c'est Nadine Morano. Elle a dit, et tac. C'est celui qui dit qui est. Voilà. C'est comme dans les films américains, ça commence par des disputes, à la fin, ils s'embrassent. En fait, ils vont s'aimer, en fait. Dans la loge, on se marre bien, quand même. Moi aussi, je l'adore, moi. Quand il m'a dit, ah, il y a Nadine ce soir. Moi, j'ai dit, il y a Glic. Apparemment, Marcel Amont n'était pas mort. Il chanterait même cette semaine à l'Olympia. Ça vous intéresse ou vous en battez les couilles ? Elle a foulu la paix à Marcel Amont. Marcel Amont. Il était très rigolo. Oui, très rigolo. Ma grand-mère adorait Marcel Amont. Oui, le Mexicain. Alors là, tu viens de le casser, là. Elle est morte, en plus. Oh, putain. Elle détestait sa Elle est pire que toi, en fait. La Sécurité sociale va traquer les abus de la chirurgie esthétique. Ophélie Winter est dans la merde. Ça vous intéresse ? Vous en battez les couilles ? Non, la chirurgie esthétique, ça fait beaucoup de mal à certaines actrices que je n'aimerais pas, mais qui ont eu tort, parce qu'elles étaient ravissantes, et elles étaient jeunes, elles étaient belles, et tout d'un coup, elles sont allées se faire mettre la chair de leurs fesses sur la gueule, et c'est une connerie terrible. Ah, Paris Match condamné à 10 000 euros de dommages et intérêts pour avoir montré Muriel Robin et sa copine en couverture de Paris Match. Ah bah oui. Ça vous intéresse ? Elle aurait dû prendre plus, même. Ah ouais. Ah bah oui, parce que moi je pensais qu'elle l'avait... Je lui ai demandé d'ailleurs, je lui ai dit, pourquoi t'as fait ça ? Ouais. Elle m'a dit, mais c'est pas moi qui ai fait ça, c'est eux qui ont pris la photo. Ouais. Tout le monde croit que c'était fait exprès. Tout le monde pensait que c'était arrangé. Non, pas du tout. Dorothée prépare son retour à la télé, ça vous intéresse ? Vous en battez les couilles. Oui, vivement, ça l'intéresse. Je l'aimais bien. Moi aussi j'aimais bien Dorothée. Elle revient, En vente libre sur Internet, le polonium 210 à 69 dollars. Ah ouais, ça m'intéresse, moi, tiens. Si c'est bientôt Noël, on pourrait faire des cadeaux. Faire des cadeaux, ouais. Un Français sur deux craint de devenir un jour SDF. Ça vous intéresse ou vous en battez les couilles ? Non, je m'en bats pas les couilles parce que c'est possible. Ouais. Un Européen sur deux a été conçu dans un lit Ikea. C'est pas le lit Nikea ? Non. Avec moi. Au moins 2 millions de Français ont essayé une fois le Viagra. Et surtout des jeunes cadres dynamiques qui veulent assurer avec leurs collègues féminines. Ça vous intéresse ? Vous en avez été victime ? Non, je trouve que s'il y a des déficiences, autant aider ceux qui en ont besoin. Guy, le Viagra, ça vous intéresse ? Non, j'en ai pas besoin, je suis obligé de me calmer au contraire. Oh putain, c'est fou. Tu es obligé de prendre du bromure. Oui. Ouais. Allez, avant de finir, vous pouvez vous embrasser tous les deux, là, franchement. Non, mais avec plaisir. Allez. Bah, attends. Ah, j'ai bien cru que ça tournerait mal. Voilà, c'était Salut les Terriens. Au revoir, Nadine Morano. Votez pour Sarko. C'est sa promo. Guy Bedos pour En Piste, en tournée dans toute la France. Elise Moon, pour Elise Moon, se prend pour qui ? En DVD, en bande dessinée et en tournée dans toute la France. This is La Peste pour Ultra Beau Gosse, extrait de l'histoire extraordinaire d'un jeune de banlieue. Voilà. Je vous laisse avec mes amis de Groland. Salut les terriens. Rendez-vous la semaine prochaine.
pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.